Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dans le journal du Techium. J'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec, du coup, le journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal du Techium, mesdames, messieurs. Ce soir, nos envoyés spéciaux nous ont permis de connaître plus en détail la mise à jour 1.77 de Wakfu. On va tout de suite retrouver notre premier envoyé spécial qui se trouve à Bonta et qui a eu chopé beaucoup d'informations juste après la réunion des dieux des 12 et... Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater de journal. En effet, je me trouve à la sortie de la réunion de Bonta qui a eu lieu avec les dieux des 12. Aujourd'hui, deux choses très intéressantes au niveau des classes. Ça va être l'état naturel des classes qui va être changé, mais aussi l'état échaudé qui sera modifié. L'état échaudé peut être appliqué à plusieurs niveaux différents, par contre non cumulable. 10% de dommages indirects reçus en plus par niveau, niveau 6 maximum. Donc on peut aller jusqu'à 60% de dégâts indirects reçus supplémentaires. Les applications d'échaudés des différentes classes sont équilibrées en conséquence. Voilà pour le premier changement. Et enfin l'état naturel des classes. Les classes Fekasram, Eniripsa, Yopsadida, Pandawa, Uppermage ont désormais un état naturel toujours visible en combat. On attaque du coup avec les changements dans les classes. On commence par l'Ozamoda qui est un petit peu nerf, avec notamment son cri qui passe de 50 au lieu de 70, plus du changement au niveau de ses invocations. Si votre invocation est offensive, alors elle n'aura plus de tacle, mais elle aura 100% de l'esquive de l'Oza. Si elle est défensive, elle n'aura plus d'esquive, mais par contre elle aura 100% du niveau de tacle de l'Oza. L'Ouginak, eh bien nous allons... pas passer beaucoup de temps dessus, je vais vous laisser aller voir l'archive, par contre je vais vous donner en gros ce qui se passe. Il y a une refonte totale et en majorité l'Ouji est buff. Attention, on a entendu dire que le dieu Ouginak n'aimait pas se battre avec un autre Ouginak dans le même combat et donc il y aura un nerf si vous jouez plusieurs Ouji dans le même combat. Je m'explique, seul l'un de vos Ouji aura les buffs. Si un des Ouji chope le buff, les autres ne pourront plus le choper. Tout simplement. On passe à la suite avec le panda. Le panda qui lui a un petit changement pour la soif. Ça up en coût, donc ça coûte plus cher. Plus de PA, plus de PW. Par contre, il peut appliquer l'état échaudé et ça, ce sera génial. En plus de cela, la portée est modifiée. On peut la lancer de 1 à 4 non modifiable au lieu de 1 à 2 auparavant. Il se lance un tour sur 2 dorénavant. On passe au sacrieur qui prend un petit nerf au niveau de ses restes de 1 point de vie, c'est-à-dire que dorénavant, tant que le sacrieur possède plus d'un point de vie, il ne peut pas se tuer avec ses retours de flamme, d'accord? Vous allez tomber à un point de vie. Par contre, si le sacrieur tombe à un point de vie et reste à un point de vie et que là vous prenez un retour de flamme, vous pouvez mourir. On passe au Sadida qui, dorénavant, a eu une régénération de PW qui est devenue innée. Donc vous allez régénérer des PW avec le Sadida tranquillement. En plus de ça, le passif prière du Sadida devient... Si le Sadida n'a pas appliqué d'armure dans le tour, 20% d'armure donnée au tour suivant. Et ça, c'est une belle chose pour les Sadida support. On passe dorénavant au Xelor. Le Xelor qui se voit nerf un petit peu. Pas tant que ça au final. Beaucoup plus sur Marteleur que l'aiguille. Mais ne vous en faites pas. Ça restera une très bonne classe DPT distance. L'aiguille perd 1 PA et du coup voit ses dégâts ajustés en conséquence, bien évidemment. Donc un petit nerf au niveau de l'aiguille. Le marteleur, lui, dorénavant, ne peut s'utiliser que 3 fois par tour et sur une cible maximum. Donc une fois par cible maximum. Ça, c'est un gros nerf pour l'Exelor. Mais ne vous en faites pas, vous allez trouver d'autres moyens de vous amuser avec. Et enfin, le Zobal, petite correction, je pense, ou alors peut-être amélioration. Il est possible pour un Zobal portant le masque de classe d'esquiver des ennemis KO à son contact. On va donc maintenant rejoindre... Notre second envoyé spécial qui lui se trouve à Amakna et qui a pu entendre les nouvelles lois décrétées au niveau des monstres. Je vous laisse tout de suite avec notre envoyé spécial. Alors on se retrouve du coup pour les monstres. Les monstres, on a des corrections de bugs sur pas mal de choses, notamment la serre d'acier où les PV sont correctement bloqués maintenant à 20% et non plus à 16 000. On a le Full Moon qui ne peut plus utiliser son sort de marteau de moon mortel en dehors de sa phase 2. On a les Surzerkers qui ne peuvent plus transposer les joueurs sur des cases pieux si au moins une case est libre autour. La mort d'un mimique n'augmente plus l'enragé de Kali si la stèle du même nom est active. Le malus de résistance élémentaire appliqué par l'état enragé de Kali ne compte plus dans le cap des moins de 100. Et enfin, l'expérience donnée par les boss des donjons 3 joueurs est revue à la baisse. Donc ça, c'est un gros nerf pour les donjons de 3 joueurs. Je vous conseille d'aller farmer très rapidement
les tours minérales, tout ça, avant de vous faire avoir. Il y a aussi des légères modifications sur les familles de monstres et donjons. Donc on a le Tofulaye, le Pioulaoup, le Cocolanta, le Sliptorium et le donjon Rictus Elite. Les familles de monstres et donjons suivants sont revues de manière profonde. La montagne à des yeux, la squale sèche, donjon gelé, le Podagenglas et la tour gelée. C'est tout pour les monstres, on passe maintenant avec un autre envoyé spécial pour les objets. Donc on se retrouve pour les objets, la partie des objets, une partie très importante, notamment pour les sublimations longueur d'armure qui s'ajoutent de manière additive aux autres bonus de pourcentage d'armure et non plus de manière multiplicative, c'est-à-dire que dorénavant les boucliers sont fixes et ça vous donnera un pourcentage sur cette valeur fixe. Le prix du familier masher dans le croupier du boss masher passe de 14 à 5 jetons, très gros buff du coup à ce niveau-là. Certains objets niveau 100 voient leur niveau réduit à 95, objets de l'almanach, objets fabriqués avec des sceaux de maître. J'ai hâte de voir un petit peu les objets qui vont changer. L'objet plastron de Bébert applique correctement son bonus d'armure reçu. Super important, on a du coup une correction. Au niveau des enchantements, un 11e niveau d'enchantement est disponible pour les objets de niveau 216 et plus. Donc dorénavant, on va avoir un niveau de charge supplémentaire sur les gros... Enfin, sur le THL, en fait, tout simplement, ce qui va augmenter la puissance de ces items. Les valeurs des bonus sont rééquilibrées en conséquence. Le 11e niveau d'enchantement attribue quand même plus que le bonus de niveau 10 actuel. Donc c'est ce que je vous disais, dorénavant, on va pouvoir upgrade un petit peu ces items, même si du coup de base maintenant les items vont être un petit peu nerf, donc ce sera un peu plus difficile si vous ne runez pas vos stuff. On va pouvoir passer du coup dorénavant à l'interface et on va attaquer avec quelque chose qui va plaire à beaucoup de monde je pense, et notamment à moi. Il est désormais possible de rassembler la totalité du contenu des inventaires des héros actifs vers l'inventaire d'un héros ciblé, c'est à dire que vous allez pouvoir prendre l'inventaire de vos deux héros et de le foutre sur votre premier personnage principal directement en un clic. Attention par contre, les consommables et les cosmétiques, eux, ne sont pas impactés par cet aspirateur, on va appeler ça comme ça, l'aspirateur d'items. Il est désormais possible de transférer la totalité du contenu d'un sac ou de son inventaire vers une fenêtre d'échange, et ça c'est magnifique, et je pense que du coup c'est pareil pour le coffre dans le havresac, et c'est du coup la ligne juste après, donc on va pouvoir transférer notre inventaire directement dans le havresac, ça va être génial, merci Ankama les amis. Alors attention, c'est marqué quand même que ces fonctionnalités sont encore à l'état de test et ne seront pas déployées lors de la mise à jour 1.77, donc on va devoir attendre un petit peu plus, mais en tout cas c'est prévu et ça c'est quelque chose de génial. On a aussi pas mal d'améliorations au niveau de l'interface. Je vous laisserai aller voir l'archive qui est en description. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on a quand même quelque chose de super sympa, je trouve. Il est possible de trier les builds dans le gestionnaire. Donc, en gros, on va pouvoir modifier l'emplacement de nos builds qu'on a créés. Et donc, ça, c'est génial. Merci beaucoup. La limite d'achat en hôtel de vente passe de 999 à 9999. Ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Et enfin, lorsque vous repliez puis dépliez votre chat, l'ancienne taille est rétablie plutôt qu'une taille par défaut. Ça, c'est vraiment cool aussi. Des fois, c'est un peu relou quand on change de perso et tout, quand on commence à modifier les choses. Ça bug des fois. Une autre petite amélioration qui est peut-être un petit peu bête, mais que je vais trouver géniale, c'est que dorénavant, la sélection de quantité en croupier est limitée à la valeur qu'il est réellement possible d'acheter. Et donc, du coup, si vous mettez 9999, vous allez avoir directement le maximum d'objets possibles d'acheter directement. L'utilisation de la touche Shift dans la fenêtre d'enchantement permet d'atteindre le dernier niveau possible d'enchantement. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose de génial, les amis. On va pouvoir passer du coup aux améliorations diverses. Et on va commencer avec quelque chose que tout le monde a déjà eu. Lorsque vous faites un échange sur Wakfu, parfois l'inventaire d'échange bug. Quand vous appuyez sur échappe, quand vous annulez l'échange, l'un des deux joueurs peut être bugué. Eh bien, ça ne sera plus le cas en 1.77, ce sera réglé, mesdames, messieurs. Quel bonheur, c'est génial. Attention par contre, petit nerf, les épaulettes de Moon et le Caldois imparfait ne possèdent plus d'aura. Aïe, 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 malheureusement, mais bon, ce n'est pas grave. On verra bien ce qu'il y aura par la suite. Voilà, on a vu un petit peu tous les changements pour cette mise à jour. J'espère que ce journal vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle mise à jour, ou plutôt pour une nouvelle vidéo hein, avant les mises à jour. J'espère que ce contenu vous plaira. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça vous aura plu, ce type de format, le journal. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, on changera le format, mais on gardera cette idée de vous montrer les mises à jour en vidéo, de vous faire un récapitulatif des choses les plus importantes. Bon, là, on va pas se mentir que cette mise à jour...
quasiment tout était important. J'skip quelques parties qui pour moi étaient un petit peu moins importantes, on va dire, mais en réalité elle l'est quand même. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça vous permettra de ne pas lire toute l'archive, même si pour Luigi, je suis désolé les amis, mais il va falloir faire un petit effort.